Alors, je m'appelle Mérine Guégan, j'ai 19 ans et j'ai étudié donc à l'ISETA de 2016 à 2019 en bac pro service aux personnes et au territoire. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi l'ISETA? Alors j'ai choisi grâce aux portes ouvertes où j'ai pu rencontrer donc des enseignants et des collaborateurs qui étaient vraiment accueillants et bienveillants. Mais j'ai surtout choisi donc pour la qualité de l'enseignement qui pousse donc tous les élèves vers le haut et qui ne laisse personne de côté, surtout quand on a des difficultés. Et en plus de nous apporter donc un enseignement scolaire, elle nous apporte un enseignement moral qui est reconnu et vraiment apprécié à l'extérieur. Choisir qu'un seul, ça serait compliqué car on a eu la chance de faire beaucoup de projets, donc comme des activités sportives avec des personnes en situation de handicap, beaucoup de projets artistiques dont un avec Monsieur Sapin. Mais je pense quand même que le plus fou et le plus inattendu, c'était la création de costumes à base de produits recyclés qui nous a permis donc de participer à un spectacle de cirque avec la compagnie Monde en Folie. Et c'est vrai que j'aurais jamais pensé, en rentrant en bac pro service aux personnes de territoire, participer au final d'un spectacle de cirque. Avec ma formation donc service aux personnes au territoire, j'ai pu intégrer une école d'aide-soignante en cursus passerelle. Donc c'est un cursus qui se fait sur 10 mois au lieu de 2 ans d'apprentissage normalement. J'aimerais exercer le métier d'aide-soignante pour pouvoir aider les personnes malades et j'aimerais pouvoir me spécialiser par la suite dans les soins palliatifs. J'ai effectué mon dernier stage à l'hôpital de Thonon-les-Bains et j'ai pu donc connaître la réorganisation d'un hôpital. Et il a surtout fallu savoir s'adapter rapidement et efficacement ces nouvelles conditions de travail qui étaient exceptionnelles pour nous toutes. En ce qui concerne donc la peur du virus, j'avais pas forcément peur de l'attraper pour moi, mais j'avais plutôt peur pour ma famille et mon entourage. Et est-ce que je suis fière? Alors, je sais pas si c'est de la fierté, mais en tout cas, j'aime et je suis vraiment contente de me rendre utile et d'améliorer le quotidien de personnes qui en ont besoin et de personnes ayant besoin d'aide. Voilà. Les élèves de l'ISETA, donc j'espère que vous aussi, vous allez trouver à l'ISETA donc ce sentiment d'appartenir à une fratrie, de toujours se serrer les coudes et bien sûr de vous créer de très belles amitiés et de très très beaux souvenirs là-bas.